Bon bah ça y est, je l'ai mis en route. Donc bah je vais me servir du carton comme base de décollage comme l'autre. Et puis la radio, bah elle est rouge maintenant. Elle est allumée, c'est appairé. Allez, c'est parti. Oh, c'est super stable. C'est super stable, c'est plus stable que l'autre, hein. J'arrive bien à le contrôler et tout, nickel. Et il y a un mode décollage en fait, et ben, il reste en stationnaire. C'est super, c'est un bouton qu'il faut appuyer. Et puis quand on veut le poser, on appuie sur le bouton et il se pose. Donc c'est pas mal, c'est le bouton là en fait. Donc je vais vous montrer. Vous voyez, il a décollé avec le bouton là. C'est super stable. Ça marche mieux que le jouet de Smith. Regardez. Là, je lâche tout et il bouge pas pratiquement. Voilà, c'est super. En arrière. Oh, il n'aime pas le marche arrière. Ça se pilote franchement super bien quoi. L'hélico il fait tout le travail en fait. Regardez, c'est magnifique. Ça a 7 minutes d'autonomie en fait. Il a la pêche en fait, hein. On croit un peu comme ça, mais il a trop la pêche. Ah ouais, c'est super stable, je regrette pas mon achat. En plus, c'était au même prix que le jouet. Donc des fois, au lieu d'acheter un jouet, on est mieux à passer par une marque de modélisme directement et puis on est moins déçu quoi. Bon, je vais essayer de le faire atterrir. Ah, j'ai loupé. Ah, ça vole super bien, franchement, je valide, hein. Bah, 32 grammes, ça pèse rien. Bon, allez, on va leur décoller. Ah, c'est super stable, j'en reviens pas. Puis la radio, elle est légère en plus. Ah oui, je suis content de mon achat, je regrette pas. Il perd pas d'altitude quand on le fait tourner sur lui-même. Là, mon jouet que j'avais, il perdait de l'altitude. Bah, je sais pas, la batterie, elle était faiblarde en fait. Était stocké trop longtemps, je pense. Par contre, ça fait du bruit. Un bruit de moustique. Voilà.
la bête translation. Ah oui, puis il a une LED aussi à l'avant. Attendez, je vais vous faire montrer. Regardez la LED. Comme ça, on voit bien le sens. Elle éclaire bien la LED. Ah oui, il a la patate quand même. C'est pas comme le jouet, hein. Ah, j'ai loupé. Bon ben j'espère que ça vous aura plu. C'est franchement l'hélico, il est trop bien quoi. Il est stable et tout, il bouge pas. Faut juste le corriger de temps en temps, mais franchement ça va. Hein. Regardez, il a une belle bouille en plus. Franchement c'est nickel. Hein. Ben voilà, si vous voulez le retrouver, c'est le Spark SX de T2M. On peut le trouver en ligne, sur des boutiques en ligne en fait de modélisme. Moi je l'ai acheté sur une boutique de modélisme. Et il tient bien la durée là, et franchement la batterie elle donne bien. Donc franchement ça me fait bien plaisir quoi. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, mais moi j'ai bien apprécié de le piloter. Donc voilà, allez, on va refaire encore un petit peu. Tant que la batterie n'est pas vide. Il est super réactif, je trouve. Je crois ça clignote, je crois qu'il a plus de batterie. La LED a clignote à l'avant. Ah, enfin, je pose. Ben, je crois quand il n'y a plus de batterie, ça clignote. Bah, on a volé longtemps quand même. Mais franchement, je valide. Hein. Ah, c'est un bon petit appareil.
Franchement, je suis content. Bah, je vais pouvoir le faire voler dans mon appartement. Je vais avoir plus de place. Voilà. Bon, bah allez, à bientôt et puis portez-vous bien.